Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule sur la construction des verbes. Alors, rappelons qu'il existe deux catégories de verbes. Ceux qui demandent à être complétés et ceux qui le refusent. On appelle verbes transitifs ceux qui demandent à être complétés et verbes intransitifs ceux qui ne reçoivent jamais de complément. Les verbes transitifs admettent un ou plusieurs compléments d'objet. Le verbe transitif direct va admettre un COD. L'écrivain imagine quoi ? Une histoire. Et le verbe transitif indirect va admettre un COI. L'écrivain pense à quoi ? À son histoire. Les verbes intransitifs, quant à eux, ne peuvent pas recevoir de complément d'objet. Ainsi, dans l'exemple « les enfants dorment » ou encore « le blessé s'est évanoui » ou « au milieu coule une rivière », »,« dormir »,« s'évanouir », »,« couler » sont des verbes intransitifs. Attention aux verbes attributifs « être »,« paraître »,« sembler »,« devenir » qui sont intransitifs aussi et sont toujours suivis d'un attribut du sujet. L'écrivain est « quoi ?» journaliste. Ce que l'on retient. Le verbe transitif direct, c'est un COD. Le verbe transitif indirect supporte un COI. Le verbe intransitif n'a pas de complément d'objet. Et voilà.